bienvenue pour cette 342e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission phare de la chaîne qui revient sur l'ensemble des titres incontournables sortis depuis maintenant un mois en version française, disponible à la vente, libre, en librairie. Et je vous encourage évidemment à faire l'acquisition du plus grand nombre de comics puisqu'il y a des choses absolument incontournables. Aujourd'hui, nous allons dédier notre émission totalement exclusivement à Urban Comics, comme nous l'avons fait ces derniers jours avec Panini et Delcourt. Il y aura une autre émission à suivre avec les sorties indées, et on a hâte de vous les montrer. On va commencer évidemment avec la tête de gondole des éditions Urban, avec celui sans qui tout cela ne serait pas possible. Je vous présente Batman, et je vous présente surtout les deux titres incontournables, à mon sens, qu'il faut avoir sous le sapin. Deux titres dont on a parlé en long, en large et en travers dans des émissions dédiées, mais que je voulais mettre en avant dans cette émission. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont deux lectures absolument extraordinaires que je vous recommande. Dans Batman One Dark Knight, Jock, dessinateur de Batman depuis des années, réalise un graphic novel. Pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit de Batman, juste connaître le personnage, à la limite avoir vu les films de Nolan, pour pouvoir se régaler. Une histoire complète, hors continuité, une histoire complètement folle, complètement dingue, avec une unité de temps bien définie, puisque ça se passe le temps d'une nuit, une nuit bien sombre, comme l'indique son titre, dans laquelle Batman va devoir, depuis les airs, escorter un convoi particulier d'une prison à une autre, d'un détenu pas comme les autres, et évidemment, ça va tourner au vinaigre. Un petit court-circuit par-ci, et Gotham va se retrouver dans le noir le plus complet. Batman va devoir acheminer, je devrais dire, son patient jusqu'à bon port. C'est un véritable jeu vidéo avec des missions, avec un danger à chaque coin de rue, avec évidemment un niveau qui augmente, avec tout ce que la ville peut compiler, j'ai envie de dire, de crapules et de gangs qui vont tous évidemment profiter de la situation pour piller, voler, détruire et évidemment semer une forme d'anarchie dans un Gotham City livré à lui-même, où seul Batman va pouvoir, bien entendu, agir. Il va s'en prendre plein les dents, il y a des os qui vont se casser, il y a des dents qui vont sauter, il va y avoir une certaine violence, hein, c'est pas pour les enfants, hein, c'est pas le dessin animé Batman de Paul Dini et Bruce Timm, ça n'a rien à voir, c'est tout simplement exceptionnel, c'est un tour de force, c'est une masterclass, et c'est un bouquin que je vous recommande chaudement. C'est un bouquin absolument incontournable, c'est un bouquin qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection. C'est une expérience de lecture comme nulle autre, et c'est le chef-d'œuvre de Jock. Vraiment, si vous aimez Batman, lisez ça, c'est exceptionnel. De la même façon, je vous invite à lire l'intégralité du run de Batman Catwoman, la maxi-série en 12 parties de Tom King, qui a fait 85 épisodes de Batman Rebirth. Souvenez-vous, il fait une conclusion en forme de bouquet final et d'apothéose de son run. Il célèbre de la plus belle des façons l'amour éternel entre Batman et Catwoman, entre Bruce Wayne et Selina Kyle. C'est génialissime, c'est magnifiquement illustré, c'est brillamment exécuté, c'est un tour de force. C'est tendre, c'est beau, c'est poignant, c'est une lettre d'amour à des personnages qu'il aime, et c'est tout simplement exceptionnel. C'est une histoire complète, pas besoin d'avoir lu Batman, Catwoman ou Batman Rebirth avant, juste connaître un peu les personnages. Peut-être que si vous avez lu Batman à la vie et à la mort, eh bien, vous allez donc découvrir une version étendue, enrichie, beaucoup plus complexe et tellement, tellement plus aboutie de cette histoire qui était déjà formidable et absolument magnifique. Et c'est surtout que cette histoire est rééditée dans cet album. Donc elle est en introduction, comme si c'était une petite mini-za, par exemple, ou un petit shifter pour commencer à étancher votre fin de Batman. Voilà, c'est absolument génial. C'est une magnifique édition que je vous invite évidemment à découvrir. Vraiment, deux bouquins Batman à lire, à découvrir. C'est des lectures incontournables. Si vous voulez mon humble avis, vraiment, ne vous privez pas, parce que vous allez vous régaler. Alors, pour les gourmands, je vous rappelle que ça, c'est l'édition classique. Il y a eu
par le passé, puisqu'au moins, depuis au moins 10 jours, il n'y en a plus. Une édition collector avec une couverture de Jim Lee, exclusivité Original Comics, 500 exemplaires. Il n'y en a plus, mais je tenais à vous le montrer, parce qu'on est très fiers d'avoir fait cette couverture et d'avoir passé les 500 exemplaires, parce que 500 comics, c'est beaucoup, par les temps qui courent. Alors, rapidement, je vais vous parler de quelques titres Batman, parce que j'ai plein d'autres trucs à vous montrer. Mais je tenais à vous les montrer, peut-être que vous les avez vus dans d'autres émissions dédiées. Il y a le Batman 89, réédition de ce qui était sorti à l'époque, en 1989, complètement fou, complètement dingue, signé Denis O'Neill et Jerry Ordway. C'est la compilation, enfin c'est l'adaptation du film de Tim Burton, et c'est un véritable souvenir. C'est une madeleine avec plein de beurre et tout ce qu'il faut de goût et de souvenirs autour. Ça, c'est très très bien, c'est à lire et à découvrir, bien sûr, sans se priver, vous le savez. Je vous parle également du Batman Détective tome 3, c'est la seconde série Batman, vous le savez, c'est celle qui est scénarisée par Mariko Tamaki, qui a été dessinée par Dan Mora, là c'est Ivan Reis qui arrive au dessin. C'est donc la deuxième série Batman, elle est tout bonnement magnifiquement illustrée, et c'est à mon sens la meilleure série du moment en série régulière, avant le retour évidemment de Jorge Jiménez avec l'arrivée de Chip Zdarsky sur la série principale. Mais vraiment, ces épisodes de Batman Détective sont de très très haut vol. Et je vous présente également Batman Shadow War, qui est le crossover de Joshua Williamson. Vous savez, il a fait l'intérim entre James Tynion IV et Chip Zdarsky sur la série régulière Batman. Il a fait à peu près 6 numéros, je crois. Et ben, en 6 numéros, il s'est dit, tiens, je vais quand même faire un petit crossover, parce que sinon, ce serait pas rigolo. Donc, l'intégralité des séries Batman, enfin, pas l'intégralité, mais quelques séries Batman se croisent là-dedans, notamment la série Robin, dessinée par Roger Cruz, et les épisodes de Deathstroke, dessinés par le fabuleux Paolo Pantalena. Voilà, ça c'est des très très bons trucs de Batman que je vous invite à découvrir, mais ça ne vaut pas les deux titres que je vous ai montrés tout à l'heure, Batman Catwoman et Batman One Dark Knight de Jock, qui sont eux exceptionnels. Voilà pour le rayon Batman, et maintenant on va parler d'autres titres, d'autres labels, parce que la grande particularité d'Urban, c'est d'avoir plusieurs labels, plusieurs collections, notamment des titres qui ne sont pas des titres DC Comics, et d'avoir une grande diversité, et surtout d'avoir des bombes atomiques avec des trucs absolument géniaux, notamment le tome 10 de Saga qui est enfin sorti après des années de pause, hein. Les auteurs étaient en pause, ils ont fait une pause, ils l'avaient annoncé, ils sont revenus aux États-Unis, ils ont fait deux nouveaux épisodes, un nouveau chapitre s'ouvre, et le tome 10 est enfin entre nos mains, et ça c'est quand même une formidable révélation, et c'est absolument fabuleux. Je vous invite à découvrir Saga tome 10. Brian Kevogan et Fiona Staples en ont vendu plus de 8 millions dans le monde, et c'est un phénomène d'édition. Et bravo à eux, parce que c'est mérité, la série est exceptionnelle. Ça part au départ, puisque ça vrille un peu et l'histoire évolue, et les personnages aussi grandissent, changent, et puis il y en a qui disparaissent. C'est une forme de Roméo et Juliette dans l'espace, avec un humour décalé, des scènes un peu olé olé, c'est pas pour les enfants. Il y a des scènes explicites d'adultes faisant des bisous, si vous voyez ce que je veux dire. Saga, c'est vraiment quelque chose qui ne... Voilà, c'est vraiment une expérience de lecture formidable, et c'est génial. Autre auteur fabuleux, Sean Murphy. J'ai fait une vidéo dédiée sur ce Un Good Comics, sur cette émission et sur ce comics. The Plot Hole, c'est sa création en lui. Vous savez qu'en marge de ses Batman White Knight, il a toujours des projets complètement fous et tarés. La couverture est superbe, le dessin est génial, l'histoire, elle est super. C'est l'histoire de personnages, de romans, bandes dessinées inachevées ou ratées, qui s'unissent au sein d'une organisation, enfin ils sont recrutés pour intervenir sur des histoires qui, soit des livres d'histoire qui racontent des conneries, soit des bandes dessinées qui sont ratées, soit des bouquins qui ne sont que de pâles copies d'autres et qui n'assument pas leur côté un peu raté, un peu fauché, un peu opportuniste, et pour essayer de les corriger pour que le grand équilibre des bouquins reste en harmonie. Voilà. Et donc, l'histoire est géniale parce que du coup, les personnages issus de chacun, il y en a un qui vient d'un manga, il y en a un qui vient des comics, il est dessinateur, illustrateur, il y en a qui viennent de romans de KPDP, etc., et bien se réunissent. Il y a même un personnage qui fait penser à Calvin de Calvin et Hobbes, puisqu'il vient du cartoon, et bien interviennent à plusieurs époques, ils viennent corriger les erreurs du passé, ils viennent modifier, ils viennent essayer de sauver les livres, et c'est une formidable lettre d'amour que Sean Murphy fait à la bande dessinée et aux livres de manière générale. C'est exceptionnel, j'ai adoré, et je vous en ai déjà dit le plus grand bien,
et je continue à dire que c'est bien. Je vous invite vraiment à le découvrir, c'est vraiment super. Alors, là, je vais vous parler d'un truc absolument fou, c'est que en l'espace d'un mois, Urban Comics a sorti dans le label Urban un nombre incalculable de bombes atomiques, encore une fois, c'est tout bonnement génial. Alors, j'ai pas fini de tout lire, parce qu'il y a du boulot, mais je veux absolument vous montrer ces bouquins. Alors, la collection Urban, vous la connaissez peut-être, c'est le grand format, c'est le très très grand format. C'est encore plus grand que les Urban Indies, c'est encore plus grand que tous ces bouquins. En fait, c'est le bouquin, il n'y a même plus marqué comics, parce que vous savez que le mot comics, il fait peur. En fait, c'est il y a des comics indés américains qui sont aussi bons, voire meilleurs que des bandes dessinées franco-belges qu'on pourrait avoir dans nos rayons, sauf que comme si elles sortent avec le label comics, eh bien, les gens ne vont pas les acheter. Et puis, elles seront mises au rayon comics, et puis les gens qui ne vont jamais au rayon comics ne les trouveront jamais. Donc, le but de ces éditions, c'est de se retrouver en librairie, sur les tables de mise en avant, à côté du nouveau Black et Mortimer, du Lucky Luke et du nouveau Arabe du Futur. Et c'est des magnifiques ouvrages, très grand format. Alors, il y a une petite polémique, parce que le dos n'est plus rond, notamment sur Descender tome 2, alors qu'il l'était sur des comics auparavant, et qu'il était sur le tome 1, et qu'il y a un petit couac. J'ai vu passer ça sur les internets, mais je m'en fous. Descender, moi j'ai adoré le premier tome. Descender, c'était déjà sorti une première fois chez Urban Indies, et là, ça ressort chez Urban, en très grand format, la série de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, que j'ai absolument adoré. Ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de robots géants qui sont des dieux, qui font penser aux Célestes de Jack Kirby, et qui font penser, bien entendu, aux personnages de la série We Only Find Them When They're Dead. La série est géniale, elle se suit, elle se dévore. J'ai pas encore lu ce tome 2, j'ai pas eu le temps, je me le garde pour les congés de fin d'année, mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir. La couverture est magnifique, et puis j'ai absolument adoré lire le tome 1, vraiment, je vous le recommande. Dans la même collection, il y a des bombes, il y a Seven to Eternity, en intégrale, Seven to Eternity de Rick Remender, le fabuleux Rick Remender, qui revient, donc, c'était sorti en plusieurs tomes, et là, ça sort en intégrale, les enfants. Exceptionnel bouquin, magnifique ouvrage, le talent, le génie de Jérôme Opena au dessin, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors j'avais lu les premiers tomes à l'époque en version française, j'ai pas tout lu, et donc il va falloir que je m'y remette, pareil, je vais me mettre ça dans ma liste de fin d'année pour pouvoir mettre ça sous le tapis. C'est tellement beau, histoire de science-fiction, les murmureurs, c'est vraiment absolument fabuleux, c'est du très grand Rick Remender, mais Rick Remender, tout ce qui touche se transforme en chef-d'œuvre. Avec notamment son nouveau bouquin qui s'appelle Une soif légitime de vengeance. J'ai adoré, je vous invite à vous référer au Good Comics que j'ai fait sur cette émission, sur ce bouquin. C'est assez silencieux, c'est l'histoire d'un homme de main, on va dire, hein, plus qu'un tueur à gages, qui fait des missions et qui doit éliminer des gens, et il décide de ne pas le faire. Et donc son destin va changer. Ça va à 100 à l'heure. Il y a un côté Jeff Darrow, c'est André Lima Arroro qui dessine. C'est exceptionnel et vous allez adorer, parce que j'ai pris une claque. Ça, c'est un bouquin à offrir à tous les fans de BD. Je veux dire, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait faire un grand format. En plus, j'ai vu l'édition. J'ai vu la VO, et la VO elle donne pas trop envie, parce que c'est pas un beau format, c'est un TPB souple, un peu cheap et pas cher. Là, on a une belle BD, c'est vraiment exceptionnel. Ça, faut le lire, vous allez adorer. Toujours dans cette collection Urban, trois bouquins, avec notamment la réédition de Paper Girl par le scénariste de Saga, Brian K. Vaughan, et le dessinateur Cliff Chiang. Alors ça, ça a fait l'objet d'une série Amazon, mais qui n'a pas été mise en avant et qui s'est pris les pieds dans le tapis, que personne n'a vu, mais on s'en fout, puisque le comic s'est réédité dans la collection Urban. Ben, c'est pareil, j'ai lu les premiers tomes en VO à l'époque, en VF à l'époque, et puis maintenant je vais me prendre les intégrales et je vais commencer à tout relire. Voilà, ça fait partie des choses que je vais relire parce que j'ai adoré. Tout comme Day Tripper, que j'ai lu à l'époque et qui est ressorti chez Urban en grand format. Magnifique ouvrage qui a été remis au goût du jour parce que, avec le succès de Leila Starr en version française chez Urban toujours, eh bien, il y a eu un véritable regain d'intérêt pour ce bouquin. Day Tripper, c'est tout simplement une histoire sur la vie et la mort. Et c'est une belle réflexion, c'est tendre, c'est beau, c'est poétique, c'est dur, mais c'est beau et souriant, c'est vraiment magnifique. Enfin, on parlait de Jeff Lemire tout à l'heure sur Descender, et il a sorti une nouvelle bombe que je suis en train de lire, j'ai lu la moitié. Ça s'appelle Primordial. En gros, vous reconnaissez ce chien cosmonaute, Laika, le personnage, et eh bien c'est toute une histoire, une sorte d'intrigue que vous allez découvrir sur Laika,
le pourquoi du comment, du mystère. Vous allez adorer, vous allez adorer, c'est magnifique. Au dessin, c'est Andrea Sorrentino qui dessine, et la mise en scène est pointilleuse. Enfin, c'est de plus en plus précis ce qu'il fait. Il y a un côté David Aja, il y a un côté... Non, c'est exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est un très très beau bouquin que je vous invite à découvrir d'urgence. Voilà, chez Urban, il y a des choses vraiment, vraiment exceptionnelles. Je vous rappelle, ça, faut le lire. Ça, c'est un petit prix. Hein. Ça coûte... Enfin, c'est un petit prix, non. C'est le prix d'une BD, quoi. Ça coûte 18-19 euros. C'est exceptionnel. Seven Twin Eternity de Remender. Descender, évidemment. Et puis, je vous l'ai dit, les Batman que je vous ai montrés. Batman What Dark Knight, qui est un exceptionnel. J'ai pris une claque immense. J'ai adoré. Et le fabuleux Batman Catwoman, qu'il ne faut pas rater. Les amis, voilà, le tweet à découvrir, évidemment, en boutique à Paris. Le tweet à découvrir, évidemment, dans les liens dans le descriptif de la vidéo. Et puis, continuez à lire des comics, continuez à regarder les émissions. Tout ça, c'est autant d'idées cadeaux pour Noël. Et puis, pensez à les prendre chez votre libraire, chez Original Comics, et puis sinon chez votre libraire. Essayez de faire travailler les libraires plutôt que les grands centres qui vont licencier 10 000 personnes dans les prochaines semaines, qui ont détruit le commerce de proximité et qui maintenant vont remplacer les ouvriers par des robots. Donc vraiment, je vous invite à faire de ce Noël un acte citoyen et de continuer à acheter en librairie. C'est important, lisez du Urban Comics, lisez du Batman, lisez les bons comics et surtout régalez-vous parce que là, il y a des choses exceptionnelles à offrir et à s'offrir. Pour les fêtes de fin d'année, c'est bientôt Noël, des comics sous le sapin. Salut !